Tout extraordinaire que cela puisse paraître, cette locomotive va prendre la route. Construite dans les usines Batignolles-Châtillon de Nantes pour le compte des chemins de fer du Brésil et faisant partie d'une commande de 24, cette 242 posait un problème capital, les essais en ligne. Conçue pour rouler sur les voies brésiliennes, dont l'écartement n'est que de 1 mètre, il n'était pas question de l'essayer sur les voies normales françaises de 1 mètre 447. Il fut donc décidé de lui faire subir ses premières épreuves sur le réseau des chemins de fer bretons qui possède des voies métriques. Un transport par la route s'avérait évidemment obligatoire pour atteindre les lignes bretonnes. Les 84 tonnes de la locomotive reposent sur un bâti articulé prenant appui sur deux remorques, dont une peut porter 80 tonnes avec ses 24 roues et l'autre, munie de 16 roues, 40 tonnes. Toutes les roues sont mobiles et directrices. La propulsion de l'ensemble est assurée par deux tracteurs de 220 chevaux chacun, l'un tirant et l'autre poussant, ce dernier faisant office de frein dans les descentes. Il est facile de comprendre que l'itinéraire de ce transport vraiment unique, dont la longueur totale est de 40 mètres et la hauteur de 5,25 mètres, fut minutieusement étudié afin de lui permettre de passer dans les agglomérations, sur les ponts et d'aborder les virages relevés avec un maximum de sécurité et un minimum de difficulté. Certains moments furent assez émouvants, surtout dans plusieurs virages où le centre de gravité parut gravement compromis. Le passage dans les villes et villages ne fut pas toujours facile et la lenteur forcée du convoi permit aux spectateurs d'admirer ce magnifique produit de l'industrie française. À Rennes, le convoi traverse la ville devant les habitants de la cité bretonne, stupéfaits de voir pour la première fois semblable équipage dans leurs rues. Malgré l'inclémence du temps, les 190 km du trajet furent parcourus en 5 jours à la vitesse moyenne de 5 km à l'heure. Et c'est la Brohinière, terme du voyage. L'audacieuse équipée a pleinement réussi grâce au courage et à la ténacité de tous ceux qui voulurent la mener à bien. Faisant partie de la commande passée par les chemins de fer brésiliens, ces deux locomotives 242 vont se rendre, non pas cette fois par la route, mais par voie ferrée, de l'usine qui les a vues naître au port de Nantes. De là, embarquées sur un cargo, elles feront route vers leur pays d'adoption. C'est ici encore un spectacle peu banal que de voir ces machines aux roues immobiles qui semblent glisser sur le parapet d'un pont. Le convoi traverse la ville, et si celui-ci paraît moins curieux que le transport routier, il n'en est pas moins impressionnant. Imperturbables et inertes, peut-être plus humiliés que leur sœur qui fit le voyage routier de ne pouvoir se déplacer elles-mêmes sur leur élément, ces machines offrent cependant au regard une ligne impeccable et racée dans leur robe noire soutachée de blanc. Voici le port, bientôt l'embarquement et le large. Et puis, dans le lointain Brésil, la voie pour laquelle elles ont été conçues, où elles pourront enfin donner libre cours à leur fougueuse puissance.